Chères spectatrices, chers spectateurs, c'est depuis une Belgique confinée à cause du Covid-19 que je vous parle. J'aurais tellement voulu que nous puissions aller à Tokyo présenter le film et vous rencontrer en chair et en os. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, ce petit message pour vous dire que j'espère, et mon frère aussi, nous espérons que vous allez suivre avec passion le voyage de notre jeune Ahmed, le voyage de ce garçon emprisonné dans ses obsessions de pureté, et nous allons raconter un voyage de quelqu'un qui est emprisonné dans sa pureté, et nous allons l'accompagner vers un retour dans un retour vers la vie. Nous espérons que vous allez suivre avec passion et enthousiasme et attention ce voyage de retour d'un garçon, d'un jeune adolescent qui, enfermé dans des passions mortifères, retourne vers la vie. Et je suis aussi très triste de ne pas pouvoir être au Japon, à Tokyo, pour être dans la salle avec notre distributeur, M. Yuji Sadai, et ses collaborateurs, vous présenter le film avec mon frère. Mais bon, c'est comme ça, on est chacun confiné dans sa maison. Et donc, depuis la Belgique, depuis Bruxelles, je vous souhaite une bonne projection de ce film, du jeune Ahmed, que vous avez appelé « Jusqu'à toucher sa main », qui est effectivement aujourd'hui dans cette histoire de confinement et de coronavirus, veut dire quelque chose de très précis. Voilà, je voulais dire simplement que mon frère et moi, en faisant ce film, on a été un peu comme la mère de Ahmed. C'est-à-dire que notre personnage, comme elle, son fils, notre personnage nous a échappé et nous avons essayé de le ramener à la vie. Voilà, nous avons essayé, comme dit la mère dans le film, qu'il redevienne le garçon qu'il était avant, qui aimait jouer avec ses amis. Voilà, et bonne projection. Si on était encore dans le djihad. Pourquoi tu vas là-bas? C'est lui qui t'a dit de plus me serrer la main. Et alors un vrai musulman serre pas la main d'une femme? Il y a un mois t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. Tu comprends que tu te fais lessiver la tête par ton imam? Allez, embrasse-moi. J'ai fait mes ablutions, je t'embrasserai après ma prière. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais. Je viens d'essayer de prier, j'y arrive plus. Embrasser? Non. Hashiru koto, mamoru koto, 語り合うこと、笑うこと、積み重ねていくことでしか、きっと心は動かない。Madame Inès dit que ça pourrait lui faire du bien de me voir. C'est la première fois que tu te mets à la place de ta victime. Ahmed! Ahmed! Vous pouvez pas rester juste pour lui dire que j'ai vraiment changé. Toi qui dois lui montrer que t'as changé, pas moi. その手に触れるまで。